this moment today. Cause I can't put my finger on it. I feel so surprised. It comes over me from deep inside so much. Que je regardais, pas autre chose. Il est mignon. J'aime bien ses petits yeux globuleux, il est rigolo. Il est à vous. Quand j'étais petit, j'en ai eu un, moi aussi. Un poisson tropical. En réalité, je l'ai pas gardé longtemps, vu que... j'ai mis le chauffage à fond un jour, je suis parti, et puis quand je suis revenu, il y avait plus d'eau. Pauvre bête. Bref, je descends ici, content d'avoir pu discuter. Occupez-vous bien de lui, d'accord? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je vous le passe. J'ai quelqu'un en ligne pour vous, vous le prenez? Non? Vous venez de le rater. Juste ici, Donnie. Regarde. Faut l'amener dans le ventre. Bien la canaliser. Tu sens toute cette puissance, toute cette chaleur, toute cette force. Ouais, tu l'as vu venir, celui-là. Qu'est-ce que ça donne? Me ramène pas de téléphone portable, compris? Quoi? J'ai rien entendu! Je t'ai dit plus de portable, c'est clair? Bon, j'arrive bientôt. Yo, Slim! Ça va, Bobby? Ça roule, mec? Mets-moi 3 cigarettes. Voilà. Merci, vieux. Ramène tes fesses ici. Désormais, t'es plus sur l'affaire. Comme ça. Ça prendra pas avec moi, arrête ton char. T'étais déjà en sursis avec mise à l'épreuve. Je t'ai envoyé dans la rue parce que t'étais censé y faire du travail de routine. D'ailleurs, à ce propos, ce gosse est à mourir de rire. Tu sais ce qu'il a fait hier? Il a pris un taxi pour aller dans le Bronx. Et plutôt que de payer la course, il a montré ton badge au chauffeur et a dit « Poli, je réquisitionne votre véhicule !» Il en a dans le froc. Tu sais qui m'a raconté cette histoire? Le maire! Le maire qui m'avait confié vouloir me nommer chef de la police de la ville. Le même maire à qui je venais tout juste de te recommander pour me succéder à la tête du commissariat. Je comprends pas ce qui t'arrive en ce moment, Sully. Après 30 ans de service, ne me dis pas que tu vas laisser ce voyou continuer à nous narguer et prendre le risque de tout perdre. Je vais arranger ça. Récupère ton badge. Démerde-toi comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais je veux que ce commissariat retrouve un peu de dignité. Lisa, c'est à chialer. Tu es célèbre. Jolie photo. Fous le camp, je vais plus te voir ici. Eh, vous pouvez expliquer à ce type que je suis prof de pilates, pas un voleur à la tire. D'ailleurs, je suis en retard. Elle est orgueilleuse. Et vous y voilà. On va où? Faire un tour. Y a quoi là-bas? Des donuts? Et sans déconner, je connais mes droits, vous pouvez pas me garder. Hé, hey, c'est pas vrai, j'y crois pas. Tiens-moi ça. Eh mais, c'est pas vous? Si. Et vous me signez un autographe? Ah,
Donne-moi un nom. Jax! Hey! Jax! Ça va, Denis? La sonnette n'est toujours pas réparée? C'est du vrai cuir. Dis, Bobby. T'es sourd ou quoi? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux me dire ce que c'est? Des téléphones portables. Exactement. Des portables. Et je t'ai dit quoi tout à l'heure? T'as dit que t'en voulais plus. Voilà. J'avais compris que t'en voulais plus. Désolé. J'ai entendu. Plus de portables, c'est pigé. On est bien d'accord. Rien que de la camelote, comme d'habitude. Passe-moi le liquide. Tiens. Tu m'as tout donné, t'es sûr? Tiens. C'est tout? C'est tout ce que ça mérite. Tu veux plus de fric, Bobby? Ouais, je bosse pas toute la journée pour des clopinettes. Donc t'en veux plus? Oui, je veux plus. Faut aussi que je bouffe. Ramène des objets de valeur. De l'or. Des diamants. Pas tes merdes à deux balles habituelles. Je t'ai déjà dit que je voulais pas de diamants, ok? C'est vrai, j'allais oublier ce détail, tu voles pas de diamants. C'est trop personnel. Mais il faut chier des montres, ça t'est égal. Oui. N'importe quel abruti a une montre. T'en as pas une, toi? T'es un petit marrant, toi. Je suis mort de rire. Tu veux voler ce que t'as envie? Voilà ce que t'as envie. Je vais juste bosser pour moi jusqu'à la fin de tes jours. On doit tous rendre des comptes à quelqu'un. Moi aussi, je dois rendre des comptes à quelqu'un. Je sais. Et toi aussi, t'as quelqu'un à qui tu rends des comptes? Moi. J'ai un de ces bols que t'aies retrouvé mon portefeuille, je sais pas comment te remercier. C'est rien. Parfois, j'ai l'impression que cette ville... C'est la jungle. Peu de gens seraient prêts à aider un inconnu. C'est vrai. Aussi, je trouve dingue cette façon qu'a la vie de générer des situations qui rapprochent deux individus. Tu vois ce que je veux dire? T'es du genre romantique. Tu m'as démasqué. Non, merci. Non, attends, c'est moi qui t'invite ce soir. Non, ça me gênerait de te laisser payer. Je veux pas que tu t'imagines que je t'ai rendu service par intérêt. Je n'attends rien en retour. Wow. Écoutez, on vient de me signaler une activité suspecte sur la carte de crédit qui a été volée ce matin dans le métro. Tadza, un resto. Je veux des agents civils et des voitures banalisées, compris? Je crains que votre carte n'ait été refusée. Ok, ça c'est l'univers qui nous dit que c'est à moi de payer. Non, c'est bon, ça va aller, j'en ai une autre. Ça arrive, parfois il y a des sortes de bugs ou je ne sais trop quoi. C'est plutôt gênant. Excusez-moi, monsieur, puis-je vous parler un instant, en privé? Bien sûr. Tu nous excuses une minute? Le nom sur cette carte est différent de la première que vous m'avez donnée. Tiens donc. Je sais pas quoi vous dire, c'est... Je vous prie de m'excuser, c'est la carte que j'utilise en général quand je laisse un pourboire de 100 dollars, mais si vous voulez notre carte... Oh. Oui, autant pour moi. C'est réglé? Tout à fait. Cool. C'est réglé. Monsieur... Fujimoto? Ça se prononce Fugimato. Fugimato. Ah oui, pardon. Je t'explique. L'autre jour, je rentrais tranquillement chez moi. J'étais avec deux musiciens de mon groupe. On devait être à trois rues de chez moi, je dirais. Je me suis retournée, il y avait ce type un peu bizarre qui nous suivait. Je peux t'interrompre un instant? Je suis désolée, mais j'ai une envie pressante. Bouge pas, je reviens. Promis. Oh.
Excusez-moi. Vous n'avez pas eu un problème avec une carte bancaire? Le client était à cette table-là. Merci. Où est-il? Il est parti aux toilettes. Pourquoi? Les toilettes sont là-bas, au fond. Je peux garder le pourboire? À qui sont ces menottes? Maman. Aïe! Mais vise la souris, maman, pas moi! Vire-la de la cuisine! Bambi! Oh, elle est là! Elle est en train de s'enfuir! Vite, attrape-la! Où ça? Elle est où? Je la vois pas! Elle s'est planquée sur le réfrigérateur! Elle est partie. Ça va? Ça va aller? J'ai horreur de ces bestioles. Sérieux, maman. Tu veux me tuer? Si je fais une crise cardiaque, qui va payer le loyer? J'ai prévu d'aller à l'église ce soir. Alors je me disais, je peux te laisser de quoi dîner si tu veux. J'irai chercher un hamburger, te fatigue pas. Si tu veux un hamburger, je peux t'en préparer un. Je te le laisserai au frigo. Ok, si tu veux, merci. Tu me dépannerais de quelques dollars pour le bingo? Je ne cautionne pas les jeux d'argent. Tu sais que je n'aime pas que tu fasses des paris. Tu veux finir comme papa? Je ne parie pas, je joue au bingo et c'est à l'église. D'accord. Mais compte pas sur moi pour éponger tes dettes quand tu ne seras plus là. De ce côté-là, j'ai déjà bien assez donné. Le travail. Mmh. La bourse est en hausse ce mois-ci? Ouais. T'es un brave garçon, Bobby. Souvenez, Lucie. Excuse-moi, en fait, je t'ai aperçue de loin et j'étais pas certaine que c'était toi, mais... C'est toi. Pardon. Waouh, ça fait... ça fait un bail, dis donc. Oui, 3 mois. C'est ça? Ouais. Comment tu Alors, vas? Qu'est-ce que tu me... Je vais bien. Pour toi. Il n'y a pas grand-chose de neuf. J'allais prendre ma pause déjeuner. J'ai essayé de t'appeler, mais j'ai jamais réussi à te joindre. Je sais pas si ton téléphone était coupé. Ouais, non, c'est seulement que j'en ai un nouveau. On pourrait déjeuner ensemble, un de ces quatre, histoire de bavarder, prendre des nouvelles. J'aurais volontiers fait ça maintenant, j'attends mais... un bébé. Tu quoi? Je suis enceinte. Wow, c'est... comment dire? Félicitations, c'est une super nouvelle, c'est... waouh! Et t'es enceinte de combien, alors? 3 mois. T'as dit 3.
de toi, Bobby. Ok. Attends, pas si vite. Comment c'est possible? On a fait ça qu'une seule nuit. En réalité, on a fait ça plusieurs fois cette nuit-là. Ouais, mais quand même, on a fait ça que cette nuit-là. Pour info, sache qu'une seule fois suffit. D'accord, t'es sûr que... Comment tu sais qu'il est de moi? C'est légitime comme question. Pourquoi? Tu crois que je couche avec tous les mecs qui passent? Tu me prends pour une pute? C'était un coup d'un soir, c'est normal. Pour toi, c'était l'affaire d'un soir. J'ai essayé de t'appeler en ce qui me concerne. Attends, écoute. Ne touche pas, pose plus jamais la main sur moi. Excusez-moi, y a un problème? Tout va bien, rassurez-vous, c'est ma copine, on a juste un différend. Même pas en rêve. Tout va bien, monsieur. À quoi tu joues? Tu veux me faire arrêter ou quoi? Écoute 30 secondes, je te signale que c'est toi qui es venu me chercher. N'espère pas que je vais te courir après dans toute la ville. Si finalement tu décides de pas parler, ça fait rien. Faut que t'arrêtes de te faire des films. Je suis pas venue te chercher. J'ai fait une croix sur toi il y a à peu près 3 mois. Je t'ai aperçu par hasard et j'ai pensé que peut-être ça t'intéresserait de savoir que tu allais avoir un enfant au cas où tu le croiseras un jour. Maintenant, t'es au courant. Salut. Non, attends, attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vous sers? Vous avez des cigarettes? Des quoi? Des cigarettes, vous en avez? J'aime autant vous donner autre chose. Quoi? Mon nom, Lucie. C'est joli, ça vous va ravir. C'est bon, arrêtez, ça suffit. Ton vieux avait des dettes. À présent, ce sont les tiennes. À partir de maintenant, tu bosses pour moi. Bobby Corelli. Voilà qui je suis, juste là. Je te vois, toi, t'es quoi, un écureuil? Stop! Au nom de la loi! Ta gueule! C'est toi qui vas la fermer si tu veux pas que je t'embarque! Alex Rodriguez! Joli le coup de la porte vitrée, j'ai bien aimé.
Ça fait très inspecteur Harry. À vrai dire, c'était ta faute. C'est toi qui m'as donné carte blanche. Merci, Pete. C'est une des choses que j'apprécie chez toi, Sully. Tu fais toujours les choses à ta façon, sans te soucier de ce que vont penser les gens. Imagine si je devais changer maintenant. C'est moi, j'ai toujours fonctionné de cette façon. Je sais pas faire autrement. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. T'as prévu quoi ensuite? Ce que je compte faire. Je vais récupérer mon badge. Et tant pis si pour ça, je dois te tuer ce petit con. Hey, bonjour. T'es qui, toi? Moi, c'est Carl. Oh, Carl. Maman! Maman! Oh, Bobby, je pensais qu'à cette heure-ci, tu serais au bureau. C'est qui, ce gars-là? C'est Carl. Non, ça, j'avais compris. Je veux savoir ce qu'il fiche chez nous et en plus dans mon baignoire. Tu ne lui as pas dit? J'attendais le bon moment. J'en ai pas eu le cas. Ok. Alors, Bob, voilà. Je suis un ami de ta mère. Oui, on joue ensemble au bingo. Oh. Est-ce que ce gars-là, est-ce que vous... Non, devez... Bobby, ah. Ce n'est pas ce que tu crois. Ça fait longtemps qu'on est amis, lui et moi. Je voulais attendre pour te dire, mais il est temps que tu saches. Oui, Carl m'a demandé d'emménager avec lui. Ce n'est pas ce que tu crois. Quoi? Calme-toi, toi, non, arrête, Bobby, c'est un ancien mari. Non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as une tête de mort-vivant. Ouais, ben... La mort serait un soulagement comparé au merdier qu'est ma vie à l'heure actuelle. Je suis avec toi à 100%. Tu peux me parler? J'ai mis une fille enceinte. Waouh! Marre-toi, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Je t'ai dit, je suis avec toi à 100%. Je t'assure que t'as mon soutien total, je suis derrière toi. D'ailleurs, te retourne pas. Merci. Ah, je suis vraiment dans la merde. Montre. Ah, c'est elle qui t'en a collé une? Non. Je suis tombé dans l'escalier. Si tu le dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder le gamin? J'en sais rien. On n'a même pas mis cette éventualité sur le tapis. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait garder un bébé qui n'aura pas de père? Surtout s'il est de toi. File-lui du blé, dis-lui de s'en débarrasser. Tu vas te retrouver dans les couches sales jusqu'au cou. Suis mon conseil. Fais le nécessaire avant qu'il soit trop tard. Dis-lui d'avorter. Dites, vous savez où je peux trouver Lucie? Qui la demande? Moi? Et t'es qui, toi? Elle me connaît, je suis un vieil ami à elle. Un ami d'enfance. Ah, toi aussi, tu viens de l'Ohio? Ouais. Elle a grandi au Texas, connard. Maintenant, dégage, passe ton chemin. Écoutez, dites-moi au moins si elle travaille encore ici. Je veux seulement lui parler. Bah ouais, comme la moitié des types dans ce bar. Dégage ou c'est moi qui te dégage. Waouh! Sans rire, t'as trouvé ça tout seul? Lucie! Tu connais ce gars-là? Non. Lucie, c'est moi! T'approches plus d'elle! C'est bon, on dégage! Ok. Hein? Non, attends, c'est... C'est pas à toi que je parlais. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis désolé pour le... Tu sais, c'est seulement... J'étais un peu sous le choc quand t'as dit que... Faut dire que quand on annonce ce genre de nouvelles à un garçon... Tu vas faire quoi? Tu veux le garder? Est-ce que je veux le garder? C'est pas d'un chien errant qu'on cause. Non, ça je le sais très bien, je... Que quoi? Tu disais quoi? Parce que j'ai beau t'écouter, tout ce que j'entends, c'est du vent. Si tu veux pas garder le bébé, je vais... Je t'aiderai pour l'argent. Waouh. Un vrai gentleman. Qu'est-ce que t'attends de moi exactement? J'attends rien de toi. C'est toi qui es venu me trouver ici au cas où t'aurais oublié. Je vois pas pourquoi tu voudrais avoir ce bébé. Je
Pourquoi tu voudrais mettre au monde un enfant avec une mère qui n'a pas les moyens de l'élever et un père minable qui ne veut rien avoir à faire avec lui? Je veux dire... Moi, j'essaie seulement de t'aider, tu comprends? Ça ira, tu en as déjà fait assez. On peut pas discuter avec toi, faut toujours que tu joues à la plus fine et après tu te sauves. Si j'étais si fine, je t'aurais pas adressé la parole et j'aurais passé mon chemin. C'est exactement ce que je disais. J'essaie simplement de prendre mes responsabilités et t'aider sur ce coup-là. Je vais te trouver un bon médecin, d'accord? Et c'est moi qui en assumerai les frais. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que t'es le dernier des connards. Mais je vais y penser. Attends. Comment je fais pour te joindre? T'as qu'à appeler ici. Je crèche dans la réserve de Gomer ces temps-ci. Combien? Non, le souci, c'est que j'ai pas d'assurance santé. Je ne veux pas de consultation gratuite, je veux payer ce que je dois. Oui, j'ai bien conscience de tout ça, mais... Ok, et alors, si je vous paye cash, on peut pas trouver un arrangement? Allô? Allô? Je suis passée prendre le reste de mes affaires. Tu veux bien dire quelque chose, s'il te plaît? Sinon quoi? Tu vas dire à ton copain de me frapper? C'est un homme bien. Et il a besoin de moi. Et moi, j'ai pas besoin de toi? Bien sûr que si. Non, ça c'est ce que tu t'imagines. Mais c'est toi qui t'occupes de moi. Je ne veux pas que tu aies assumé ce fardeau. Avec Carl, on prend soin l'un de l'autre. Ah, je vois. Ça fait partie de votre arrangement avec ton pote de bingo. J'aime cet homme, Bobby. Pas comme j'aimais ton père, ni comme je t'aime, toi. C'est un amour différent. Peut-être que quand tu rencontreras la bonne personne, tu comprendras. Ce sera évident. Je dois y aller. Écoute, il aimerait t'inviter à dîner demain soir. Partir sur de nouvelles bases. Voilà son numéro. Il y a longtemps que j'ai pas été aussi épanouie. Tu peux pas être un peu heureux pour moi? Hé! Essaie de régler ton fer à repasser. Brûle pas toutes ces chemises comme t'as brûlé les miennes. Salut, Jax. Non, aujourd'hui, j'ai une tonne de trucs à régler. Ça va pas être possible. Bobby! Bobby Corelli! C'est toi, je me trompe? Quoi? C'est comme ça que tu t'appelles. Tu vis ici? Qui? Toi, Bobby. Non, moi, c'est Tommy. Tommy. Tommy, c'est ça. Je suis de passage chez ma tante. T'habites pas là? Non. Ah, Bobby, comment vas-tu? J'ai appris que ta mère allait se marier. Félicitations. Ils sont tombés dessus, Jax. Je sais pas comment ils m'ont trouvé, mais ils m'ont trouvé. Qui t'a trouvé? Les flics. Ils savent où j'habite. Il y en avait de partout dans mon appart, une vraie fourmilière. Comment ils ont eu mon nom? J'en sais rien. Comment voudrais-tu que je le sache? C'est peut-être ta copine, là, qui t'a balancé. Non, elle sait pas ce que je fais. Ils t'ont suivi jusqu'ici? Non. Et comment tu sais? Tu risques rien, ok? T'as un plan? J'en sais rien, j'y ai pas réfléchi. Je crois que je vais faire profil bas quelque temps. Et l'autre machin, t'as trouvé un endroit où le faire? Ouais, l'hôpital Emsview. C'est là que je suis né, ça doit être un bon hôpital, non? Sans l'ombre d'un doute. Quand on voit ce que t'es devenu... Il me faudrait 100 dollars pour payer un motel. J'ai nulle part où aller. Non. File-moi du blé, comment dégage, je vais faire chez moi? J'ai pas d'argent. T'entends, j'ai rien pour toi. Je déconne pas, j'ai nulle part où aller. Non, t'insistes pas, t'auras pas un rond. Attends, tu te fiches de moi? Espèce d'enfoiré. J'ai pas besoin de toi, qu'est-ce que tu crois? J'ai qu'à piquer des portefeuilles. Hé, t'as pas 20 dollars? Non? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez ce gosse? Bobby, attends. Quoi? J'éviterai de prendre le métro à ta place. Prends un taxi. Ouais, merci.
Ouais, salut Carl, c'est Bobby. Bobby, le gars à qui t'a flanqué un pain. Ouais, est-ce que ma mère est là? Elle dort? Ah, tant pis, ça fait rien. Non, je me suis pas rendu compte de l'heure qu'il était. Dis-lui que je vous verrai demain soir au dîner, d'accord? Non, tout va bien, je te remercie, à demain. Tout bas. C'est débile de chuchoter si c'est pour cogner à ma porte comme un dingue. Eh ben, je suis passé te dire que... qu'on avait rendez-vous demain à 14h, donc j'espère que c'est bon pour toi. Ben... il est 3h du mat, là, donc... je te verrai dans à peu près... 11h, d'accord? La prochaine fois, passe un coup de fil. Ah non, c'est vrai, t'appelles jamais, toi. Lucie, attends, attends! J'ai eu une soirée difficile, tu veux bien me laisser entrer une minute pour prendre un verre? Je reste pas longtemps, promis. On est fermé au cas où t'aurais pas remarqué. Ah, sans déconner, je peux entrer rien qu'une minute. C'est que... j'ai pas d'autre endroit où aller, s'il te plaît. Rien qu'une minute. T'aurais une cigarette? Je fume pas, je suis enceinte. Tu veux toujours boire quelque chose? Ouais, je veux bien un scotch, s'il te plaît. T'as envie d'en parler? Parler de quoi? De la misère dans laquelle tu croupis. La misère dans laquelle je croupis? Vous parlez tous comme ça au Texas. Comment tu sais que je viens du Texas? Je sais deux ou trois trucs. Dans ce cas, monsieur, je sais deux ou trois trucs, faut que tu m'expliques. Pourquoi t'es venu frapper à ma porte en plein milieu de la nuit? J'ai été expulsé. Je vois. Je peux te poser une question? L'espèce d'homme des cavernes au bar, c'est ton mec? Pourquoi? T'es jaloux? Curieux, plutôt. Non, y a rien entre nous. Enfin, je veux dire, plus maintenant. Mais... disons qu'il... il continue à veiller sur moi. C'est plus un grand frère qu'autre chose. D'ailleurs, il te tuerait certainement s'il savait que t'étais là. À plus forte raison s'il savait que c'est toi qui m'as mise en cloque. Il est au courant pour... Oui. Pourquoi toutes ces questions au sujet de Gomer? J'en sais rien. Simplement... on se ressemble pas vraiment, lui et moi. Donc je me demandais... ce que cette nuit-là t'avais pu me... je veux dire, si c'est ça ton genre d'homme, pourquoi... Laisse tomber. D'accord. T'es en train de me demander pourquoi j'ai passé la nuit avec toi. Ouais. À vrai dire, ça fait 3 mois que je me pose la même question. C'est à cause de tes yeux. De mes yeux ? Oui. Oui. J'ai tout de suite craqué quand je les ai vus. Je trouve que t'as des yeux très gentils. Ils me rappellent un peu ceux de mon père. Donc tu as passé la nuit avec moi pour mes beaux yeux? Tes gentils yeux. Puis aussi,
C'était chouette de discuter avec toi. Je te trouvais drôle, sympathique et... t'avais de jolies petites fesses. Je t'ai laissé me raccompagner, ça veut tout dire. Ouais. Et une fois chez moi, tu t'es montré si courtois. Tu n'as rien tenté, tu restais là. À me sourire. Puis tu m'as remercié pour cette excellente soirée. Et ensuite, tu m'as dit... Bonne nuit. Là, j'en sais rien, j'ai dû réaliser que... que je voulais pas que la soirée s'arrête là. Avec le recul, je réalise que j'aurais mieux fait d'y mettre un terme plus tôt. 3 minutes plus tôt, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, en parlant de minutes, la tienne est écoulée. J'ai une grosse journée qui m'attend demain. À ce propos, t'es pas forcé de m'accompagner. T'as qu'à me déposer l'argent et me laisser l'adresse demain matin. J'ai dit que je t'emmenais chez un bon médecin. Je t'y emmène, d'accord? Ça veut dire que je m'en charge en personne. C'est pas nécessaire, tu sais. Je le ferai quand même. Du coup, on se retrouve à 13h45, devant l'hôpital Elmsview, à l'angle de la 39e rue et la 5e avenue. Ça te va? Ok, j'y serai. Je te dis à demain, alors. Merci pour le verre. Vous auriez une cigarette? Allô, Lucie? C'est Bobby, j'ai un petit problème. Si j'ai bien suivi ton histoire, t'as planqué de l'argent dans ton appartement, mais tu veux que ce soit moi qui aille le chercher. C'est ça. Parce que t'as peur que ton proprio appelle les flics s'il te chope, vu que tu lui dois plusieurs mois de loyer. Toujours ça. Et donc, tu me demandes de rentrer chez toi sans me faire remarquer, de récupérer l'argent et de me faire passer pour la femme de ménage si quelqu'un me surprend. T'as tout compris. Ouais. Et tu comptes faire avaler cette histoire à qui? Ouais, t'as raison, c'est pas crédible. Mais tu n'as qu'à dire que tu rends visite à ta tante. Non, j'ai déjà utilisé ça. Oh, et puis zut, si on se tient à ce qu'on avait dit. Tu es la femme de ménage, ça va marcher, d'accord? Et si on me pose la question, tu ne me connais pas et tu ignores où on peut me trouver. C'est sûr que si je te connais pas, je peux pas savoir où t'es. Voilà, tout à fait. Pourquoi tu me dis pas tout simplement la vérité? Tu sais tout ce que tu dois savoir. C'est vraiment mon appartement. Ça, ce sont mes clés et tu dois reprendre mon fric. Tu doutes bien que si je pouvais y aller moi-même, je le ferais, non? Maintenant, si tu ne veux pas le faire, c'est comme tu veux. C'est rien, mais je n'ai pas d'argent. Punaise. Cet endroit aurait effectivement besoin d'une femme de ménage.
C'est bon, tu l'as. Bien joué. Ouais. Les femmes sont le mal. Écoute, tu tombes mal, mec. Là, je suis en route pour... Enfin, tu vois. Ah ouais. Tu me raconteras comment ça se termine. Très marrant. Tu l'as dit à tout le monde? C'est combien? $18, s'il vous plaît. Regarde devant toi, du con. Bonjour, Lucy Atwood, j'ai rendez-vous. Oui, à quelle heure? Maintenant, en fait. Tenez. Merci. Remplissez ce formulaire. D'accord. Il me faut que mon permis et mon numéro de sécu? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Hé! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Je crois pas avoir la force de le faire. Ça tombe bien, on te demandera pas de faire quoi que ce soit. C'est à moi d'endurer. Toi, t'en as fait assez. Non, mais peut-être... Peut-être qu'on devrait attendre. Attendre? Ouais. Quoi, tu crois que si je rentre chez moi et que je prends deux aspirines, ça va passer? Je plaisante pas, on devrait au moins en parler. Non, toi, tu la boucles. Je t'interdis de jouer à ce jeu-là. Ok? J'ai pesé le pour et le contre. J'ai passé des heures à me demander quoi faire. Toi-même, tu m'as fait comprendre que t'en voulais pas hier. Alors finissons-en. Je crois qu'on devrait attendre. Toi, tu crois qu'on devrait attendre? Oui. Tu crois qu'on devrait attendre? Espèce d'enfoiré! Tu vas attendre quoi? Pourquoi tu me frappes? Je te déteste! Calme-toi! Je te déteste! Je te déteste! Calme-toi, s'il te plaît! Donne-moi l'argent, je le ferai tout seul! Je voudrais qu'on en parle, on va se débrouiller, on trouvera une solution! Est-ce qu'on pourrait au moins en discuter calmement, s'il te plaît? Faut qu'on réfléchisse à deux! Tu peux arrêter, s'il te plaît! Donne-moi l'argent! Lucie? Je te demande de me faire confiance, là, tout de suite. Cours.
dépêche. Lee, viens. Taxi. Démarrez. Merci. Hey Bob, t'es déjà là? T'es un peu en avance. J'avais bien dit à ta mère le dîner et pas le déjeuner, n'est-ce pas? Ouais, mais on était de passage dans le quartier, du coup. Oh, je vois. Eh ben, venez, entrez donc. Ok. Salut. Salut. En fait, j'allais descendre faire quelques courses à l'épicerie pour ta mère. Ah, là voilà. Elle m'a tout noté sur une liste. Ma mère est pas là? Non, elle est allée au parc avec mes petits-enfants. Ma fille m'en confie la garde une fois par semaine. Ils sont mignons, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Des jumeaux. Et donc, toi, tu es sa petite amie, c'est ça? Non. Non? Bon, eh ben, il faut que j'aille faire des courses. Vous faites quoi? Vous voulez venir avec moi? Non. Non? Vous voulez rester ici? Oui, si ça te va, on va attendre ma mère. Très bien. Oh, c'est moi qui t'ai fait ça, Bob. Je suis vraiment désolé. Je vais être franc avec toi. J'aime ta mère plus que tout et je tiens vraiment à la protéger. Moi aussi. Je m'appelle Bobby, connard. Tu m'expliques? Quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas, à ton avis. Réfléchis, bordel. Pourquoi des policiers nous ont pris en chasse comme ça? Dans quelle galère m'as-tu embarqué? Qui est ce Carl? Et surtout, qui es-tu, toi, au juste? Carl est le compagnon de ma mère. Elle vient d'emménager ici avec lui. Je vois. Et concernant les flics? Disons que je ne travaille pas exactement à Wall Street. Donc je peux exclure le délit d'initié? Je suis un pickpocket. Ça te fait marrer? Un pickpocket? Oui, voilà qui explique que la moitié de la police de New York soit à tes trousses. T'es au courant pour le flic qui s'est fait piquer son badge? Génial. Vraiment. J'attends l'enfant d'un voleur qui fauche aux vieilles leur sac à main. Hé, j'ai jamais rien pris à ceux qui avaient l'air d'avoir moins que moi, c'est clair? Oh, pardon, t'es qu'un simple Robin des Bois. Ça va, tu connais rien de ma vie, ok? C'est vrai, t'as raison. Je sais rien à ton sujet. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas changé. Je suis toujours le même mec que t'as rencontré au bar, sauf que je fais pas le métier que tu croyais. Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est pas un métier, ça, Bobby. C'est du vol. Arrête, non, je t'interdis de me juger. Mon père m'a laissé 500 000 dollars de dettes de jeu à rembourser et une mère qui travaille pas. Quel autre choix j'avais? J'attends. Pourquoi t'as pas tout raconté à la police? Parce qu'il a menacé de tuer ma mère. Pourquoi tu continues à voler? Je lui dois encore 100 000 dollars environ. Oh, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas? Je récupère l'argent. Je refuse de mettre au monde un enfant si c'est pour qu'il doive rendre visite à son père en prison à chaque Noël. Où est-ce que tu l'as mis? Il est dans ma veste. Non, il y est pas. Qu'est-ce que tu racontes? Y a rien là-dedans. Je le trouve pas. Qu'est-ce que t'en as fait? Tu l'as perdu ou quoi? Ne mets pas ça sur le dos, c'est toi qui l'avais dans ta veste. Mais non, rappelle-toi, à l'hôpital, tu l'as récupéré dans ma poche quand tu me frappais. J'ai rien eu le temps de prendre, tu m'as attrapé les bras et tu m'as embrassé, je te signale. Peut-être qu'il est tombé dans le taxi, j'en sais rien. Ou alors, quand ce type t'est rentré dedans tout à l'heure. Le coup classique. Le pickpocket s'est fait faire les poches à son tour. J'hallucine. Oh les mains, monsieur! Videz vos poches et plus vite que ça si vous tenez à la vie! Vous arrivez trop tard. Bobby, t'es déjà là? Mais où est Carl? À l'épicerie. Allez jouer avec vos hamsters, vous deux. Bonjour. Ah. Je suis la mère de Bobby, Rita. Oh, Lucie. Waouh! Je me souviens pas de la dernière fois que Bobby a ramené une fille à la maison pour me la présenter. Vous devez être spécial. Elle allait partir, maman. Elle doit s'en aller. Ce n'est qu'une copine.
Je passe te voir plus tard, d'accord? Faut qu'on reparle de... Non, tu mais sais... attends, et de manière, peut-être qu'elle voudrait dîner avec nous. J'allais nous préparer des lasagnes. C'est le plat préféré de Bobby. Ça a l'air bon. Je serais ravie de dîner ici. Oui, génial, je file en cuisine. Ok, je vais vous donner un coup de main. T'as si faim que ça? Je mange pour deux. Attends, ne dis rien à ma mère, s'il te plaît. Oh, bien sûr que non. Je voudrais pas contrarier mamie. Monsieur, vous voulez jouer à un jeu de société avec nous? Non. Un jeu vidéo? Non. Aux gendarmes et aux voleurs, alors? Encore moins, non. Alors, comment t'as connu Bobby? Lui et moi, on a un ami commun. Ah! Je crois que tu lui plais plus qu'il ne veut l'avouer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, quand il est en présence d'une fille qui lui plaît vraiment, il est toujours sur les nerfs. À croire qu'il ne veut pas lui montrer qu'il s'intéresse à elle. Tu sais comment sont les garçons. Toujours attirer les nattes des filles pour retenir leur attention. C'est quoi le crap? Non, le craps, c'est le nom du jeu. Et attention, c'est un jeu très sérieux. Si vous faites un 7 ou un 11 au premier jet, vous gagnez. En revanche, si vous faites 2, 3 ou 12, c'est perdu. Le reste, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça devient le nombre de points, celui qu'il vous faut obtenir pour gagner. Faites gaffe, si vous faites un 7 au tour suivant, vous êtes éliminé. C'est clair, Nikki, tu commences. Non, 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 attendez, il faut d'abord parier. Allez, les garçons, placez vos mises. Voilà, ça y est, tu peux lancer les dés. Alors, un 4, c'est ce qu'on appelle un Little Joe. Maintenant, si tu veux gagner, tu dois refaire un 4, d'accord? Moi, ce que j'aime faire, c'est souffler sur les dés. Donnez-moi un Little Joe, allez, un Little Joe! Un Little Joe, un Little Joe! J'ai gagné. Non, 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 tu as perdu, tu perds ton tour et nous, on récupère tes bonbons. Tu vois ce qui se passe quand on parie? À ton tour, Mickey. Madame, ça vous tente pas un peu d'action? Venez jouer avec nous. Non, ça ira, j'ai eu ma dose d'action pour aujourd'hui. Merci. C'est moi! Je suis de retour! J'apporte le fromage et les tomates fraîches. Salut les enfants. C'est là-bas que ça se passe. Laissez-moi vous aider. Non, non, t'inquiète, je gère. Et puis, mikasa es su casa. Et surtout, ça me donne une bonne excuse pour aller rejoindre la plus belle femme du monde en cuisine. Bonjour ma chérie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Alors Bob, d'après ce que m'a dit ta mère, tu travailles dans la finance. Ouais. Et comment ça se passe pour toi? Il y a des hauts et des bas. J'avais cru comprendre que t'avais du mal à payer ton loyer ces derniers temps. Si t'as besoin d'un emploi stable un jour, n'hésite surtout pas à venir me voir. T'as qu'à m'appeler. Carl tient une bijouterie en centre-ville. Les diamants sont les meilleurs amis d'une femme. Hein, papy? Oui, et? Ne jamais acheter au détail. C'est bon à savoir. Tu sais, Bobby, si par hasard tu connais quelqu'un qui a envie d'acheter une jolie bague de fiançailles, parle-en à Carl. Oh. Il lui fera un bon prix. Merci, maman. Tu sais ce que Lucie fait dans la vie? C'est une photographe professionnelle. Oh, non. C'est vrai? Je fais ça en freelance. En réalité, je travaille à mi-temps dans un bar en ce moment. Vous savez ce que c'est? Ça paie mal, mais c'est une façon honnête de gagner sa vie. Je ne dirais pas le contraire. Il paraît que tu viens du Texas. D'ailleurs, j'y retourne samedi prochain. Tu rentres chez toi? Oui, rien n'est encore fixé, mais en tout cas, je réemménage avec ma sœur. Je vais essayer de trouver un job dans un studio photo et faire des portraits, ce genre de choses. Tu as prévu de me parler quand de ce projet? À vrai dire, c'est ma vie, je vois pas en quoi ça te concerne. Elles sont comment ces lasagnes? Moi j'adore, c'est délicieux. Excellente. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Tu veux aller te rafraîchir? Non. Si tu veux, je peux t'accompagner à la salle de bain si tu te sens pas traque. Si, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Appelle une ambulance. Respire. Je suis pas en train d'accoucher, espèce d'abruti. Je suis enceinte de 3 mois seulement. Bobby? Maman, t'inquiète. Chier. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'en sais rien. Je voulais pas t'inquiéter. Pourquoi ça m'inquiéterait? En quoi la possibilité de devenir grand-mère devrait m'inquiéter?
Elle veut le garder? J'en sais rien. Est-ce que tu l'aimes? Mais qu'est-ce que j'en sais, maman? Je veux dire... J'y connais rien à l'amour. Comment on peut savoir? Eh bien, déjà, tu t'es sentie comment quand elle a annoncé qu'elle rentrait samedi au Texas? Écœurée. Et dans l'ambulance, sur le chemin de l'hôpital, qu'est-ce que tu ressentais? L'homme est ainsi fait que parfois, il faut qu'il manque de tout perdre pour prendre enfin conscience de la chance qu'il a. Ma coiffeuse. Je vais mettre en route. Je vais vous laisser tous les deux. Salut. Salut. Le docteur a dit que t'allais t'en remettre, c'était rien. Selon lui, t'as seulement besoin de repos. Comment va le bébé? Il est en parfaite santé. Quoi? Hé, t'inquiète pas, ça va aller. Dans quelques jours, ce sera oublié. Au fond, j'aurais espéré qu'Irek s'en sort tout seul. Seulement, je sais toujours pas ce que je vais faire. Non, ce qu'on va faire. Maintenant, tu n'es plus seule. C'est fini, on est deux. D'accord? Ne dis pas n'importe quoi. Tu veux pas avoir d'enfant. On se connaît à peine. Enfin, tu te rappelais même pas mon nom il y a seulement quelques jours. C'est vraiment ce que tu crois? Que je me souvenais pas de comment tu t'appelais? Tu veux savoir la vérité? Oui. Ce serait bien, pour une fois. Ok. Oui, d'accord. Après cette nuit-là, j'ai... Je n'arrêtais pas de penser à toi. Je pensais tellement à toi que ça me rendait dingue. Et puis quand je t'ai enfin sorti de ma tête, tu étais là, juste devant moi. Je n'arrivais plus à aligner deux mots tant j'étais nerveux. Pourquoi tu m'as pas appelé? J'avais la trouille. Quand je me suis réveillée ce matin-là, je t'ai regardée dormir. T'étais tellement belle. Tu es magnifique. Je n'avais aucune envie de te quitter. Je t'assure, avant toi, ça m'était jamais arrivé. J'ai pris un bout de papier pour te laisser mon numéro, mais je n'ai pas pu. J'ai chiffonné la feuille et puis j'ai noté un faux numéro à la place. Ensuite, j'ai réécrit mon vrai numéro, je l'ai rechiffonné et ainsi de suite. J'ai dû faire ça, je sais pas, une dizaine de fois. Au bout du compte, j'ai ramassé tous les morceaux de papier pour les fourrer dans ma poche. Et avant de partir, j'en ai pioché un au hasard et je me suis dit, si c'est pas le bon numéro, c'est que ça doit pas se faire. Laissons le destin en décider. Je sais. Je suis un connard. J'ai été stupide, je l'ai regretté à un point que t'imagines même pas. Je n'avais pas oublié ton nom, Lucie, loin de là. Je n'ai pas réussi. Et j'ai essayé, tu peux me croire. T'as déjà menti, pourquoi je te croirais? Ça fait 3 mois que je la trimballe dans mon portefeuille. J'ai des problèmes avec l'engagement. Ça, j'avais vu. Tu peux même pas rester fidèle à une marque de cigarette. Je ne vais pas fuir cette fois, tu entends? Je reste. Je veux prendre cet engagement. Je peux pas être avec quelqu'un qui vole pour vivre. Alors c'est terminé. J'arrête le vol à la tire. Donne-moi une chance. Je te prouverai que je peux changer si tu m'en laisses la chance. Et tu vas arrêter? Tu peux arrêter comme ça quand tu veux? Pour moi? Alors d'accord. Dis donc, ça suffit, vous deux. Prenez une chambre. Les visites sont terminées pour aujourd'hui. Et vous, vous avez besoin de repos.
mèche avec les flics, Jax? Tu es de mèche avec la police? Toi? Ta gueule! Je devrais être buté sur le champ! Comment t'as pu me balancer après tout ce temps? T'es pas mon pote! J'ai sacrifié ma vie pour toi, Jax! J'ai sacrifié ma vie pour toi! Comment t'as pu faire ça? Tu n'es rien du tout pour moi! Tu piges! Fallait pas foutre la merde dans mes affaires! T'as volé le badge d'un flic! Est-ce que tu en as tiré de l'argent? Non! Au lieu de ça, les flics ont débarqué chez moi! Chez moi! Tu travailles pour moi maintenant? Ça te fait rien? Et ça, tu trouves ça marrant de tête? Je leur ai dit où tu habitais. Je leur ai dit où te trouver et quand tu y serais. Tu as payé un gars pour me tirer mon fric? Ouais. Je me doutais que t'aurais du liquide sur toi. Monsieur Moralité, t'avais merdé avec ta copine, t'allais forcément vouloir assumer, d'autant qu'elle a pas un rond. T'as de la veine. Mon ami t'a rendu service. C'est lui qui m'a donné au flic. Donne-moi un nom! Jax! Est-ce que je me suis énervé contre lui? Non. Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est du business. Ça a rien de personnel. C'est fini. Attends. Attends, écoute. Passez-moi le lieutenant Sullivan. Et si je pouvais te rendre tes 50 000 dollars plus tout ce que je te dois? Non, c'est trop tard. Ok. Tu sais quoi? Tu veux appeler les flics? Appelle les flics, ils auront rien contre moi. Là, je l'ai pas, le badge. Tu sais comme moi que sans ce badge, ils ont rien. Verrouille la porte. Ils ont rien, t'entends? La partie est finie. J'ai découvert un putain de filon. Ça va te rapporter tellement que tu pourras arrêter tes combines à deux balles. Tu aimes les diamants? Parle, je t'écoute. Ça a intérêt à être du lourd. Je vais te fournir un paquet de diamants. Bobby? Oh, salut. Salut. Et comment tu te sens? Ah, je me sens beaucoup mieux. C'est bien. Je devrais pouvoir rentrer chez moi cet après-midi. Le médecin préfère attendre mes derniers résultats d'analyse pour être sûr. Mais toi, ça n'a pas l'air d'aller. Si, si, ça va. Elles sont pour moi? Oh, ouais, désolé. Merci. Wow. Écoute, Lucie, je sais qu'hier, je t'ai dit que j'allais arrêter ce que je fais, mais... Il s'est passé un truc, c'est le bordel, et du coup, il y a une dernière chose que je dois régler. Une toute dernière. De quoi est-ce que tu parles? Comment dire? En réalité, c'est un peu compliqué. Et confiance en moi, c'est tout ce que je te demande. La seule raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est parce que je veux être honnête avec toi. Être honnête avec moi? Tu ne m'as même pas donné un début d'explication. Je sais, j'ai rien le droit de dire. J'aimerais pourtant te mettre au courant. Si tu essaies de t'enfuir, ou pire que tu en parles, je jure devant Dieu que je te ferai la peau. Ensuite, ce sera à son tour à elle. Je te le jure, après-demain, tout sera terminé. J'en aurai fini avec mon ancienne vie. Dommage, demain je serai plus là, j'ai un avion à prendre, t'as oublié. Accorde-moi une journée. D'accord? Je t'expliquerai tout après. Je t'aime. Allô, Carl? C'est Bobby. Écoute, j'aurais besoin d'un service. Navré, on est fermé. Je suis l'ami de Bobby. Ah, oui, bien sûr. Vous m'avez prévenu que vous veniez. Je vous en prie, entrez. Moi, c'est Carl. Carl? Oui. Denis. Enchanté, Denis. Je m'excuse pour le retard. Je viens à peine de sortir du bureau. Oh, ce n'est rien. Alors, Bobby m'a expliqué rapidement que vous travaillez ensemble à Wall Street. Non, 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 moi, je suis son patron. Ah, et alors, vous cherchez une bague de fiançailles, si j'ai bien compris. Exact. Je vais être honnête avec vous. J'y connais rien en bijoux, mais alors strictement rien, j'en porte jamais, en vrai. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais ma fiancée, c'est tout l'inverse, elle a même des goûts de luxe. Et je veux lui offrir un bijou somptueux. Vous avez un budget de combien? Je peux me permettre environ, je sais pas, 30 000 dollars, si je peux avoir un truc bien à ce prix-là. 30 000 dollars? Très bien. Oui, vous devez très bien gagner votre vie. Ça va, je me débrouille. Très bien, je reviens, ne bougez pas.
J'ai ici des diamants de 2,5 carats ou 3 carats, de pureté VVS, 1 ou 2 selon les anneaux, et comme on peut le voir, de couleur J dans l'ensemble. C'est une bague de fiançailles, ça aussi? Oui, oui. Si l'un de ces diamants vous tape dans l'œil, mais que vous avez un doute sur la monture, elle a peut-être une bague qui appartenait à sa grand-mère sur laquelle elle voudrait sortir la pierre. Je sais vraiment pas quoi choisir. Vous savez quel style elle préfère? Toute cette organisation pour le mariage, ça me stresse, c'est dingue. Ah, moi je pensais qu'il y avait qu'une sorte de bague de fiançailles. J'aurais pas imaginé qu'il y avait tant de styles différents. Vous ne voulez pas faire du repérage d'abord? Vous faites un tour des bijouteries avec elle, par exemple ce week-end, et puis dès qu'elle et vous avez une idée plus précise de ce que vous voulez, vous revenez me voir. Le truc, c'est que je reçois du monde chez moi aujourd'hui. Et que j'aurais espéré, enfin j'avais prévu de lui offrir la bague ce soir. En plus, ça va être une grosse fête, j'ai déjà commandé le repas, enfin... Oui. Je ne peux pas les sortir d'ici. Voilà, ce que je vous propose. J'ai ici 15 000 $ en liquide. Ce n'est pas une question d'argent. Non, non, avant de refuser, écoutez au moins ce que j'ai à dire. Je vous verse cette somme en acompte. Vous faites une sélection, alors peu importe, vous prenez celle qui, selon vous, lui plairait. Et moi, je les emmène chez moi, c'est à 2 000. Écoutez, je peux bien vous aider, je sais bien que vous êtes l'ami de Bobby, c'est vous qui choisissez. Tant qu'elles peuvent lui convenir et qu'on reste dans la gamme de prix, ça m'embête. Je vous paie la différence en liquide une fois là-bas. Attendez, vous voulez rire? Il y a plus d'un $500,000 en diamants, là. Si vous le souhaitez, je vous fais tout de suite un chèque qui couvre la totalité. Non, j'aime pas sortir les diamants de la boutique. Je vous dis que j'ai assez de liquide chez moi pour régler la différence. Pour vous, c'est une vente assurée. À mon avis, il ne lui faudra pas 2 secondes pour décider. Je parie même qu'elle va choisir la plus chère. C'est bien parce que vous êtes l'ami de Bobby. J'accepte de prendre votre argent. Donnez-moi 2 minutes pour le mettre dans le coffre et on pourra aller la surprendre. Vous ne préférez pas que je règle tout en une fois? Non, ça me va, on va faire comme vous avez dit. Sinon, je peux aussi garder le liquide sur moi et je vous paye la bague comptant tout à l'heure. Je fais déjà un gros effort en consentant à vous sortir les diamants d'ici. J'aime mieux savoir vos $15 000 dans le coffre. Vous êtes sûr? Parce que ça me gêne pas de payer tout d'un coup. Oui, oui, je suis sûr. Et tiens, d'ailleurs, en prime, permettez-moi de vous faire cadeau de cette paire de boucles d'oreilles qui sont absolument ravissantes. Voilà. C'est bon? Vous êtes prêts? Oui. Ce quartier me rappelle des souvenirs. Ah oui? Dites, je peux vous demander un service? Hein? J'aimerais emprunter votre téléphone un instant. Je voudrais l'appeler vite fait pour être sûr qu'elle est rentrée. Bien sûr. Hier, j'étais aux toilettes et j'ai fait tomber le mien droit dans la cuvette. Pas de chance. Mon père y a fait tomber ses clés une fois. Voir d'où était le type? Passez-moi la police. Oui. Oui, j'ai besoin d'assistance. Je rêve. Allô? Oui, on vient de me dévaliser dans West Broadway. Il y a 2 minutes. Dites-leur qu'il avait une veste verte. Il portait une veste verte. Il avait une veste verte, une veste militaire et des cheveux blonds roux. Il y avait toute ma vie dans cette valise. Qu'est-ce que je vais devenir? Je m'en veux pour ce qui s'est passé. Il contenait plus $500,000 en diamants et en cash. Je suis vraiment désolé. Je l'ai pas vu venir. Il est arrivé en trombe. Ça a été trop vite. Vous allez bien, en fait? Ça va? Vous avez rien? Oui, ça va. C'est tout rien. Je suis vraiment désolé. J'ai l'impression que c'est ma faute et je m'en veux terriblement. Mais vous en faites pas. Je suis persuadé que les flics vont le retrouver. Ils vont coincer, vous pouvez en être sûr. Te voilà enfin! Et t'étais où, bordel? Ça fait des plombes qu'on attend. Il a eu tout pète de me demander de l'accompagner au commissariat pour témoigner. Et moi, j'étais là. Je peux pas, je voudrais bien. Mais je suis déjà en retard. Ma fiancée m'attend. Faut vraiment que je file. J'ai pas le temps. Ta fiancée? Sa fiancée, t'entends ça? Je savais pas qu'on était ensemble. Très drôle. Où est Bobby? Il est pas là. Qu'est-ce que tu fabriques? Je croyais qu'on attendait que tout le monde soit là pour l'ouvrir. Écoute-moi bien. Bobby aura que dalle, c'est clair? Toi, je te filerai un anneau. Et après, c'est fini, on ferme boutique. Denis! Comment ça, tu fermes boutique? La porte! Mais tu vas aller où? Comme si j'allais te le dire. Non. Derrière la tête.
Non. Cool. Quelle marque? Je sais pas. C'est une cigarette. J'ai arrêté. De fumer ou le vol à la tire? Les deux. Qu'est-ce que c'est? Je me serais volontiers mis à genoux, mais je suis assis au milieu des ordures. J'ai peur que ce soit pas des plus romantiques. C'est pas une bague volée lors de ton dernier casse, par hasard? Karl m'a proposé une affaire en or. Il m'a même fait une sacrée réduc. Lucie. Je suis au courant. Karl est venu me rendre visite à l'hôpital. Il m'a expliqué ce que vous maniganciez. Oh, attends, tu le savais, tu as quand même laissé Gomer me passer à tabac? Oui, et ça m'a mis un peu en rogne que ce soit pas toi qui me le dise. Il a bien fait son taf, à vous. Tu en es sûr? Non. Et donc, il se passe quoi maintenant? Well, my mind is moving slow, and my heart's still on the floor. I ain't got nowhere to go. Je peux poser une question? Bien sûr. Vous avez des métros? When you're leaving. Hey, doucement. And it's all been said and done. Your heart's still on the run. I just wanna let you know that it ain't easy. So please hold on. So please hold on. So please believe me when I say I love you. Right now.
keep on talking, I order this one more round. So go on, baby, lie to me. With every little word you say, lie to me. Tell me it's okay to say the morning never comes, and this will always be. For years now, it's time I let it go. It's sad enough to leave a place I've grown to love, but I can't take the same old scene. I need some fresh air to my soul. Here's your chance, just follow the lights. You gotta stand up and fight.